on va prendre un vol, 3h30 la durée. On arrive en Méditerranée, un petit peu excentré, proche de la Turquie, une île grecque, la Crète. Vous arrivez à l'aéroport d'Héraklion, là vous sentez la détente, l'atmosphère, rythme de vie ancestral détendu, bien-être culinaire, je pense que c'est ce qui aide à la détente. Vous prenez une voiture, un transfert, un bus, ce que vous voulez pour aller vers votre hôtel. Vous prenez les petites routes sinueuses le long de la côte. Vous arrivez à votre hôtel, un accueil, vous installez dans votre chambre et vous prenez le temps de vivre une semaine, deux semaines, ce que vous voulez. Mais là, vous passez ne serait-ce que deux jours en Crète, vous êtes déjà détendu. Une fois que vous êtes installé dans votre hôtel, vous partez à la découverte de l'île. L'île, c'est une multitude de paysages et d'atmosphères. La côte nord de l'île, c'est des clubs et des plages assez ouvertes. La côte sud de l'île, c'est des criques assez inaccessibles, en flanc de falaise avec des petits villages, des ports avec l'eau transparente, des poissons frits qui sont choisis. Vous allez dans le restaurant, poissons frits ou grillés, hein. Vous allez dans le restaurant, vous choisissez vos poissons, vous demandez ce que vous voulez, ils vous les préparent, ils vous les emmènent pour une somme modique et largement accessible. Attention, prenez de l'argent liquide sur vous, la côte sud n'a pas de distributeur et quand vous avez fait 30 km en 3 heures pour accéder au petit village et que vous ne trouvez pas de distributeur et que vous avez faim, ça peut être un peu complexe. La Crète, c'est une multitude de façons de voyager. Vous voulez faire du sport, vous voulez faire de la visite, de la randonnée, vous pouvez le faire en Crète, vous avez des chemins de randonnée, vous pouvez louer des quads, partir à l'aventure à l'intérieur de l'île, vous pouvez juste vous reposer sur les plages et vous baigner dans l'eau cristalline, profiter du soleil, très fort, c'est pas votre ami, il faut se protéger. 3h30 de vol, la Crète, la meilleure saison, c'est au mois de mai, on vous propose un voyage exceptionnel, allez-y. Découvrez cette superbe et magnifique île, l'île des dieux. Bon voyage.